Ouais, c'est éboulé. Oh putain, merde. Ah, ben il y a que ça comme pièce. Il y a pas d'autres pièces. Ouais, là-bas, il y a que deux pièces. Ici. Ah oui. Ouais, il y a matière, mais bon. Ah ouais, génial. Là, c'est chouette ici. Wow. Ouais, c'est. Je filme, hein, mais. Ah oui, ok, l'escalier, oui. Est-ce qu'il y a des sorties de secours au cas où on ait un problème ou il n'y a pas de sortie autre que celle qu'on a prise? Et ici. Ah ouais, tout est clouté, hein. Tout est clouté, ouais. Tout est attaché, clouté. Ah oui, mais j'ai pas vu. Ouais, une sortie d'urgence au cas où, parce que. Non, il n'y a pas de sortie d'urgence au cas où. Ah, peut-être là. Bah non, écoutez aussi, putain. Trouver la hache. Ouais, si, ici on peut ouvrir. Mais bon. Niveau sécurité, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. C'est pour ça, je te dis, je voulais pas y aller seule, je le sentais pas trop. Mais il y a quelque chose. Le plafond est fissuré. Mais non. Le plafond est proche à. En tout cas, ouais, ça sent le 1900, ça se sent. Pouh. Regarde la vieille affiche. Une vieille affiche de la SNCF. En anglais. Et non, elle va valoir cher cette affiche. Enfin, façon de parler. Ça, elle est abîmée, mais je veux dire, elle est vieille. Hein. Alors j'ai vu il y a une cave. Ah ouais? Oh là là. Ah oui d'accord. Ah ouais, mais défoncé. En fait, il y a au bout d'un moment, tu vas voir, il n'y a plus de marche et il y a carrément de l'eau. C'est une piscine en bas. C'est une piscine. Ouh là là, oui. T'as vu? Ouais, bah ça c'est conductible. Hein. Ouais, c'est là je pense que ça. Ouais, c'est un lieu dangereux, mais à faire. Enfin... Ah oui, le conductible. Il faut qu'il y en ait un qui monte et l'autre qui monte pas, parce que là pour l'instant, c'est niveau sécurité, on ne sait pas qui veut y aller. Pour moi, il a l'air bon, hein, de visu l'escalier. Fais attention, tu marches, hein, regarde bien les marches. Oui.
entendu un bruit bizarre. Ah oui, t'as entendu. On n'est pas rassuré. Hein. Alors ça dit quoi au-dessus? Ça dit que bah t'as des pièces, mais je vais pas marcher trop dans les pièces. C'est très imprimé, hein, très. C'est imprimé, bah tu vois qu'il y a une ambiance quoi. Voilà, on est 19e quoi. Mais je veux dire, au niveau sécurité le. Je peux pas te dire. Bah va voir. Va regarder. Moi je ne marche pas au milieu des pièces, je n'ai pas confiance. Mais, si t'as pas confiance. Mais va regarder, peut-être que toi tu peux passer. Moi je. Il n'y a pas de trou si tu veux visible, mais je préfère pas y aller par sécurité. C'est mitigé à réfléchir. On a envie, mais. Moi, en toute honnêteté, je pense qu'une enquête est possible. Ouais, parce que je commence à expliquer. Mais courte. Pas dans des non, pas nécessairement courte, mais pas dans le. On n'est pas à 100% sécurité. Oui. Mais je pense quand même que. Il y a des endroits, ça va. Les pièces qui sont trop dangereuses, on n'est pas obligé de les faire. Il y a assez de pièces pour faire une enquête. La pièce là-bas, il y a deux pièces au rez-de-chaussée, celle de droite, non celle de gauche, ça, le plafond il est trop abîmé, mais c'est pas grave, ça fait une pièce en moins, mais c'est pas grave. Ici, on peut faire une enquête, tu vas voir, hein, le plafond, c'est du vieux, à la base c'est costaud. Mais ça s'effondre d'un côté, donc il suffit d'une petite pression. Bah, là tu vois bien que c'est du bitume, et puis il n'y a pas d'éboulement, mais c'est assez bon. Là c'est éboulé parce qu'ils ont cassé, ouais. Là c'est bon. La chambre est tout au fond. Ouais. Ça, j'hésite à y aller, mais sinon, enfin, les pièces en haut, elles sont utilisables. Mais l'escalier, il est en bon état. Moi, je pense qu'il y a. Si on évite au maximum les pièces. Les étages, quoi. Non, pas l'étage. L'étage, je trouve même qu'il y a plus de. C'est plus. Sécurité à l'étage. Ouais, que. Pour réchauffer, les deux pièces là-bas, même les deux, j'ai envie de dire, ça va être difficile. Là, on peut faire, il n'y a pas de problème. Le plafond, il n'y a pas de seul. Là, on peut faire aussi, je pense. Il n'y a pas de trou. Moi, je pense que si on évite les pièces les plus dangereuses, pour moi, on est bon. Voilà, après, les décisions se font à deux. Moi, je voudrais qu'on repère surtout les sorties. On va faire un test sur les menus. Oui, on va faire. Faisons une pré-enquête, ouais. Nous sommes Guillaume et Sophie, on ne va pas rester longtemps aujourd'hui.
l'éternel avec nous. Aussi, de l'autre côté des croix, il y a bien une vie après la mort. On voudrait juste savoir dans un premier temps s'il y a du monde dans ces locaux, dans cette maison. On vient peut-être d'un coup, on n'a pas trop le temps de vous expliquer contrairement à d'habitude, mais on vient juste dans un premier temps de voir s'il y a du monde dans cette maison. Et si vous soyez d'accord pour qu'on revienne et qu'on discute avec vous, nous sommes Guillaume et Sophie, et nous essayons de prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Et c'est pour ça que nous avons du matériel avec nous. Par exemple, la boîte que j'ai dans les mains, si vous parlez, votre voix sortira du boîtier comme une radio en fait, et nous pourrons discuter ensemble. Courant d'air, je ne sais pas ce que nous ne connaissons pas les lieux encore. Il y a un courant d'air qui est passé devant moi. Encore un pour la vache. Oh, c'est léger. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Si vous êtes là, vous pouvez juste vous dire bonjour, s'il vous plaît. On ne va pas rester longtemps aujourd'hui, on voudrait juste s'assurer qu'il y ait du monde dans cette maison. Il y a du monde avec nous? Ouais. Attends. Repose la question. Il y a du monde avec nous? Vous pouvez aussi communiquer avec nous, faisons du bruit. Votre femme, enfin, pour moi, ça fait un coup. Hein. Ça fait un, moi j'ai entendu un. D'accord. On peut aussi vous entendre de par vos oreilles. Pardon. Vous pouvez aussi taper contre un mur ou faire un bruit. Bon, le plus simple, en tout cas, c'est la boîte que j'ai dans les mains, mais... En tout cas, on a entendu quelque chose en même temps. Mmh. Ça, c'est... Moi, c'est une caméra et... Il y a du monde avec vous, vraiment.
Et puis on y passe, puis je me sens rassuré dans les lieux, au niveau sécurité. Hein. Ça confirme ce que je pensais tout à l'heure. Il y a des zones peut-être où je ne crois plus qu'à éviter, mais on peut aller là-bas. Voilà, c'est cette zone-là qu'il faut vraiment éviter. Oui, c'est la zone de gauche. Ouais. La zone de gauche peut s'effondrer à tout moment. Hein. Donc là, on est c'est les chambres. Hein. La zone de gauche, il faudrait qu'on la visualise dehors, comment ça donne. Mais... Il y a du monde ici. Parce que c'est écroulé sur plusieurs étages, t'as vu? C'est pas qu'un étage qui s'écroule. Hein. Et ça n'empêche pas de faire rentrer ta gare. Il n'y a pas d'humidité. Bon, par contre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de PV, il n'y a pas de voie pour l'instant SB11. Après, est-ce que c'est peut-être pas gaffe qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne mais... On a bien entendu une voix. Ouais, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Vous voulez pas nous faire un signe? Juste parler une fois dans mon boîtier. Enfin, vous parlez, puis votre voix sortira du boîtier, tout simplement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de parler. Me dire bonjour, par exemple. Donc, je suis là, on arrive un peu comme ça, dans la police, on reviendra. Sauf si vous ne voulez pas qu'on revienne, mais... Si vous ne voulez pas qu'on revienne, soit dites-le, ou alors tapez. Si on n'a ni coup ni voix, ça voudra dire que vous êtes d'accord pour qu'on revienne. D'accord? Allez-y. Soit vous dites clairement non, pardon, vous dites non, ou alors vous tapez fort quelque part. À vous. Je vous laisse une minute. Si dans une minute vous n'avez pas dit non, vous frappez, on reviendra. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour qu'on revienne. C'est parti. Nous sommes dans une vieille bâtisse qui date de 1900. Alors avec Sophie, on fait attention parce que c'est quand même au niveau sécurité. On a vu mieux. En tout cas, ouais, ça sent le 1900, ça se sent. Ouh, regarde la vieille affiche. Une vieille affiche de la SNCF. En anglais. Et dis donc, elle va valoir cher cette affiche. Enfin, façon de parler. Parce qu'elle est abîmée, mais je veux dire, elle est vieille. Hein. Et là, on a un escalier. Alors, j'ai vu... Ah, carrément. Wow. Il y a une cave. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais la cave, en fait, il y a, au bout d'un moment, tu vas voir, il n'y a plus de marche et il y a carrément de l'eau. C'est une piscine en bas. C'est une piscine en bas. T'as vu? Bah ça, c'est conductible. Hein. C'est-à-dire? C'est, là, je pense que ça... Ouais, c'est mieux dangereux, mais à faire.
Ah oui, le conductible pour les. Faut qu'il y en a un qui monte et l'autre qui monte pas, parce que là pour l'instant, c'est le niveau sécurité, on sait pas. Tu veux y aller? Pour moi, il a l'air bon, à vue de visu, l'escalier. Fais attention où tu marches, hein, regarde bien les marches. Hein. On aime bien avoir des sorties de secours au cas où. Enfin bon. Donc là, il y a. Fais attention au plafond. Hein. Ouais, du coup, maintenant que tu es en haut, fais attention au sol. Donc là, c'est la cuisine, hein, ici. Et là, on a deux chambres. Là, on a deux chambres, voilà. Avec le plafond qui est éventré. Faudrait que je vérifie. Voilà. Je n'ai pas trop envie. Voilà. Partir de là parce que là la dalle au-dessus elle est à deux doigts de se. Il suffit d'un. Oh, le vieux compteur électrique de l'après-guerre. J'ai entendu un bruit bizarre. Ouais. On n'est pas rassuré. Hein. Alors ça dit quoi au-dessus? Ça dit que bah, t'as des pièces, mais je vais pas marcher trop dans les pièces. C'est très imprimé, hein, très. Imprimé, c'est-à-dire? C'est imprimé, bah tu vois qu'il y a une ambiance, quoi. Voilà, on est ah oui, 19e. Mais je veux dire au niveau sécurité le. Non, c'est. Je peux pas te dire. Bah va voir. Non, non, mais. Va voir, va regarder. Moi je ne marche pas au milieu des pièces, je n'ai pas confiance. Bah si t'as pas confiance. Mais va regarder, peut-être que toi tu peux passer. Moi je. Il n'y a pas de trou si tu veux visible, mais je préfère pas y aller par sécurité. Ouais, niveau sécurité, c'est pas top, hein. Ouais, j'ai l'impression que les marches, ça bouge. Bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est du. C'est vieux, donc c'est solide de base. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Là, on a des toilettes, je suppose. Ouais. Salle de bain. Ouais, et le toit, là. Mais il y a des parties qui ont l'air impeccables. Il n'y a pas d'humidité, ça sent pas l'humidité. Ok, là-bas, il y a une pièce. Moi, je pense malgré tout qu'une enquête est faisable dans des conditions. Moi, je pense que malgré tout, une enquête est possible. Pas dans des conditions de sécurité maximale. Moi, en toute honnêteté. Je pense qu'une enquête est possible, c'est ce que j'ai commencé à expliquer. Pas dans des. Non, pas nécessairement courte, mais pas dans. On n'est pas à 100% sécurité, mais je pense quand même que les pièces qui sont trop dangereuses, on n'est pas obligé de les faire. Il y a assez de pièces pour faire une enquête. La pièce là-bas, il y a deux pièces au rez-de-chaussée, celle de droite. Non, celle de gauche, le plafond il est trop abîmé, mais c'est pas grave, ça fait une pièce en moins, mais c'est pas grave. Ici, on peut faire une enquête, ça va, hein, le plafond, puis c'est du vieux, donc à la base, c'est costaud. Mais ça
ça s'effondre d'un côté. Il suffit d'une petite pression. Bah là, tu vois bien que c'est du bitume. Et puis, il n'y a pas d'éboulement ici. Là, c'est bon. Là, c'est éboulé parce qu'ils ont cassé le mur. Cassé, ouais. Là, c'est bon. La chambre est tout au fond. Ça, j'hésite à y aller. Mais sinon, enfin, les pièces en haut, elles sont utilisables. Hein. L'escalier, il est en bon état. Moi, je pense qu'il y a... si on évite au maximum les pièces... L'étage, quoi. Non, pas l'étage. L'étage, je trouve même qu'il y a plus de... C'est plus... Sécurité à l'étage. Ouais, qu'au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, les deux pièces là-bas, même les deux, j'ai envie de dire, ça va être difficile. Là, on peut faire, il n'y a pas de problème. Regarde le plafond, il n'y a pas une seule... Puis ça sent pas l'humidité, il n'y a pas de trou. Moi, je pense que si on évite les pièces les plus dangereuses, pour moi, on est bon. Voilà, après, la décision se prend à deux... Bonjour, nous sommes Guillaume et Sophie, on ne va pas rester longtemps aujourd'hui. Nous avons du matériel avec nous pour essayer de récolter des preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Cette maison, et si vous seriez d'accord pour qu'on vienne et qu'on discute avec vous. Nous sommes Guillaume et Sophie et nous essayons de prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Et c'est pour ça que nous avons du matériel avec nous. Par exemple, la boîte que j'ai dans les mains, si vous parlez, votre voix sortira du boîtier comme une radio en fait, et nous pourrons discuter ensemble. Courant d'air, je ne sais pas ce que. Nous ne connaissons pas les lieux encore. Il y a un courant d'air qui est passé devant moi. Encore un, pour la vache. Ouh, c'est vite. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Si vous êtes là, vous pouvez juste me dire bonjour, s'il vous plaît. On ne va pas rester longtemps aujourd'hui, on va juste s'assurer qu'il y ait du monde dans cette maison. Ça fait Guillaume et Sophie. Nous ne sommes pas tout à fait des médiums, mais nous avons les facultés quand même de pouvoir dialoguer avec les défunts. Et nous avons du matériel pour nous aider. On a même un chien mais qui nous attend dans la voiture. Il y a du monde avec nous ? Vous pouvez aussi communiquer avec nous, faisons du bruit. Ah bon, c'est dans un coup. Ça fait beau aujourd'hui. D'accord.
On peut aussi vous entendre dans nos propres oreilles. Vous pouvez aussi taper contre un mur ou faire un bruit, on vous entendra. Bon, le plus simple, en tout cas, c'est la boîte que j'ai dans les mains, mais... En tout cas, on a entendu quelque chose en même temps. Ça, c'est... Je vais me balader pour voir s'il n'y a pas de résultat ailleurs. Il y a du monde. Avec nous, je monte. Il n'y a personne ou vous ne voulez pas communiquer avec nous? Je redescends. En tout cas, plus on y passe, plus je me sens rassuré dans les lieux au niveau sécurité. Hein. Ça confirme ce que je pensais tout à l'heure, c'est que il y a des zones peut-être de tropicalité, mais on va aller là-bas. Toi, là, c'est cette zone-là qu'il faut vraiment éviter. Autant là, on est sur des chambres, hein, mais... Il y a du monde ici. Parce que c'est écroulé sur plusieurs étages, t'as vu? C'est pas qu'un étage qui s'écroule. Ouais. Non, là, il faut éviter ici. Hein. Et ça n'empêche pas de faire un truc ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'humidité. Bon, par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bois comme ça, les deux. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, mais... Il y a bien entendu une voix. Ouais, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Vous voulez pas nous faire un signe? Juste parler une fois dans mon boîtier. Enfin, vous parlez, puis votre voix sortira du boîtier, simplement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de parler. Me dire bonjour, par exemple. Bon, je sais bien, on arrive un peu comme ça, à l'improviste. On reviendra. Hein. Sauf si vous voulez pas qu'on revienne, mais... Ben, écoutez, si vous voulez pas qu'on vienne, qu'on revienne, soit dites-le. Ou alors, tapez. Si on n'a ni coup ni voix, ça voudra dire que vous êtes d'accord pour qu'on revienne. D'accord? Allez-y. Soit vous me dites clairement non, par exemple, vous dites non, ou alors vous tapez fort quelque part. À vous. Je vous laisse une minute. Si dans une minute, vous n'avez pas dit non ou frappé, on reviendra. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour qu'on revienne. C'est parti.
Bon, bah écoutez, vous nous avez rien dit. Donc, comme je dirais le vieil adage, qui ne dit mot qu'on sent. Donc, nous reviendrons avec Sophie, cette fois plus longtemps. Et on essaiera vraiment de communiquer avec vous. Si on fait un petit point quand même. Si, on a entendu une voix. Tout à, voilà, on a entendu. Moi, pour moi, c'était un coup. Toi, c'était une voix. Conclure, et puis tout à l'heure quand j'étais là-bas, j'ai entendu comme si un caillou avait été jeté par terre. Oui. Et tu n'étais pas là, mais en tout cas il s'entendra. Et on ressentit un courant d'air. Un courant d'air, t'en as parlé, oui. Ouais, froid, furtif. Voilà ce qu'on a entendu. Il y a du potentiel de toute façon, mais il faut le travailler, quoi. Ouais. Faut le travailler. À mon avis, personne ne vient ici, ils ne sont pas habitués à ce ouais. qu'on. On va écouter, on va analyser, on reviendra. Ouais. Alors, on est le lendemain de l'enquête qu'on a fait à la gare et à environ 150 mètres du lieu d'enquête. Il pleut. Voilà ce qu'on a. Voilà, un cimetière avec des tombes, des caveaux. Tout au bout à gauche, ça a l'air d'être un petit peu plus récent. On va aller voir par curiosité la date d'un des tombeaux. Je vois, il y a pas mal d'années. Alors là, on est sur du 1970-75. Celui-là, je vais aller voir celui-là. J'ai pas de date apparente. Il m'a l'air bien bien âgé. Alors il y a du vent. Là, il est vieux, hein. Il fait flipper celui-là. Oh, celui-là, il est terrible. Hein. En plus, tu vois la clé qui est dessus. L'ouvrir. Il est tellement vieux. Pas de date. Ah, celui-là, il a été cassé. Hein. Voilà, je voulais vous montrer ce qui peut se trouver sur certains lieux à quelques mètres d'un lieu hanté. Voilà ce qu'on trouve qui peut renforcer d'ailleurs la hantise du site. Voilà. Il y a Guillaume qui est au loin là-bas avec le parapluie rouge.
monsieur Guillaume et madame Léa. Allez, on va aller maintenant chercher le dictaphone qu'on a laissé toute la nuit sur le site. Bonjour monsieur Guillaume. Ça va, vous allez bien? Oui, alors. Ici? Dabochi. Allez, à plus tard.